Julien ! Oui ? Tu viens de baigner ? Elle est bonne ! J'arrive ! Je mets ma... Viens de baigner ! Non, je mets mes brassards. Merde ! Vas-y, mets ton petit maillot de bain ! Tu sais, celui que je t'ai offert l'été dernier ! Le rose ? Oui, le rose ! Avec les petits cœurs là et le petit nœud ? Tout à fait ! Celui-là ! Mais je crois que je l'ai trouvé ! Celui qu'on est parti en vacances l'année dernière, hein ? Vers Noirmoutier, par là, là ! Ouais ! Hein ? Il était beau celui-là. Hein? Salut tout le monde, c'est Jolat et bienvenue pour un nouvel épisode sur Empyrion. Je suis toujours avec Julien. Salut Julien. Salut Jolat. Bon, dernièrement on a déménagé parce qu'il y avait des petits parasites qui venaient nous embêter sur notre base. Donc on a décidé d'aller migrer un peu plus loin. Mais on a trouvé un beau petit coin de paradis. Et franchement, hein, c'est plutôt sympa ici. C'est calme, c'est calme. Ça me, calme, ça me rappelle les vacances avec Tata et Tonton. Ouais. À Noirmoutier. Ouais, c'est, ouais, ça, c'est vrai que ça. C'était bien, ouais. J'ai même... Bon, Julien, on leur fait visiter notre nouveau chez nous. Allez. Parce qu'on a un petit peu avancé hors caméra. Vas-y. Attention, ça va être un petit peu comme vous savez l'émission sur la une Marc Emmanuel ou Valérie Damido. Vous êtes maintenant chez vous. Attention, on commence la visite. Hop là, c'est parti. Elle est où? Elle est là. Ah ah, regardez voir. Elle est pas magnifique celle-là? Hein? Elle est toute en ferraille, mon vieux. Vas-y, viens qu'il y en a un qui vient nous attaquer. Quoi? Pourquoi qu'il rigole, celui-là? Je sais même pas pourquoi qu'il rigole. Arrête, laisse-moi ouvrir. Quel cochon, il me laisse même pas rentrer. Ça, il fait son Donc, port. Moi, je te laisse faire la visite et moi, je te suis. Admettons, je cherche un appartement. Vas-y, comment tu me le vendrais? C'est, vous savez, l'émission sur la 6, là, chasseur d'appartement avec Stéphane. Stéphane machin, là, Stéphane Pizza. Vas-y, c'est parti. Bonsoir. Bonsoir mon petit monsieur. Bonsoir monsieur. Bonsoir, vous êtes Stéphane Pizza dès l'émission sur M6. Déjà, vous c'est allez vous déjà vous allez sortir, vous avez pas toqué. On l'a refait. Allez. Excusez-moi, on l'a refait. On l'a refait. Toc toc toc. Oh, bonsoir. Mais qui voilà. Bonjour. Qui êtes-vous? Bonsoir, je cherche un appartement. On m'a dit que c'était ici les visites. Oh oui, oui, oui. Bon, tu l'ouvres ta porte. Allez, vas-y, rentrez. Bon, alors, comme ça, on m'a dit que vous aviez un appartement à vendre. Ça tombe bien, j'en cherche un. Oui, alors, je suis désolé pour la luminosité. On a une coupure de courant. Ouais, j'ai pas de torche, moi d'ailleurs, mon cochon. Hein. Ah, bah alors, j'arrive. Alors, pour commencer, nous avons le petit jardin. Le petit jardin, ouais. Vous tout pouvez à fait. Bien sûr agrandir en cassant ces blocs qu'il y a autour. Ah, c'est très intéressant. C'est très lumineux en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Et ça manque planté, de lumière. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a planté. Je sais pas. Où ça, pas c'est des citrouilles. C'est des citrouilles, ça. C'est des citrouilles. Oui, oui, ça se voit d'ici. Le fourneau. Ouais. Voilà. Où on peut faire vos burgers et tout ça. Je vous laisse regarder à l'intérieur. D'accord. Ah, oui, ok, d'accord. Très bien. Très belle cuisinière. Très belle. Très bien, très bien. Vous pouvez faire aussi des soins dessus. Très bien. Nous avons ici deux petits frigos. Deux sur lesquels où il y a de la nourriture à l'intérieur. Très bien. En plus, ils sont déjà pleins. C'est plutôt bien. Oh, ça bah me oui. va, moi. Très bien, très bien. Continuons la visite, monsieur. Ensuite, nous avons le générateur d'électricité qui ne marche qui ne marche pas. Ouais, voilà. Qui ne marche qui ouais. marchera après les travaux. Ouais, après les travaux. Il y a quelques travaux à faire. Ceci, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais ça sert à mettre de l'essence. Voilà. C'est un fuel tank. Cochon. Un full tank. Fuel voilà. tank. Fuel tank. Un réservoir. Et ensuite, nous avons voilà un réservoir ou deux. Voilà. C'est un réservoir d'oxygène, ça. D'accord. Voilà. C'est un connaisseur, voilà, c'est ça. Vous connaissez très tout. Bien. Si nous avons un gros coffre où il y a pas mal d'arbres, nous avons un petit coffre où il y a des plantes là-haut. D'accord. Très un bien. Rangement. Et parfait. Ceci est la grosse table de craft. Je vous laisse fouiller. Et ceci est là. Ouh. Le plus important. On en a des dents là-dedans. Pour d'accord, bon bah ça c'est la grosse table de craft, ok. Et ensuite, viens. Ah. Ce n'est pas la cuisine, hein, mais viens voir. On prend l'ascenseur. Donc voilà. Là c'est un petit ascenseur, très bien. Belle vue, et ensuite nous avons ce fameux canon. Mastodonte. Ah, bah là on est bien équipé. Allez, j'achète. Vous achetez ? Vendu. J'achète. Voilà. Tu peux venir, tu peux vivre avec moi si tu veux, mon petit monsieur. Oh, bah c'est fort. Vous pouvez vivre avec moi, mon petit monsieur. Ça tombe bien parce qu'en fait, oh putain de merde. Ça tombe bien parce que en fait, j'ai divorcé avec ma femme et en fait, elle m'a jeté dehors. Ah bah ça va être très bien. J'avais besoin d'une nouvelle femme alors. Espèce de vieux cochon. Putain. Faut qu'on essaie de mettre l'électricité, Julien là, parce que ça manque de lumière quand même dans ton appart là. Hein? Que la lumière fume, mon vieux. Et la lumière soit. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Hein? T'as un truc pour poser dans l'eau là pour faire les bouteilles d'oxygène?
J'en ai vu un, j'en ai deux, ils sont dans les coffres, regarde. Je vais en poser un. Je vais poser les deux, hop, impeccable. Ouh, il me faut de l'essence. T'as de l'essence encore? Non, j'en ai plus. Ok, bon, bah je vais aller en mettre là-bas, dans la machine. Ouais. Ah, parce que après, on va faire notre vaisseau. Et après, on compte quitter cette planète. Ah, on va quitter cette planète, on va quitter cette planète base, après, mon vieux. Visiter la galaxie. Et donc, il y a un truc que je vous ai pas dit, mais j'ai appris en regardant un petit let's play, parce que oui, il a fallu que je réapprenne totalement à jouer au jeu. Hein. Depuis la dernière fois que j'ai joué, ça a totalement changé les mises à jour et tout. Bon, d'ailleurs, j'en profiterai pour faire une petite dédicace à mode de joueur. C'est grâce à eux que j'ai appris le truc. Donc, c'est plutôt bien cool. J'ai regardé leur let's play. Et en fait, si on appuie sur F5, voilà! Hein, Julien? Moi, je suis. On a un drone, mon vieux. Je suis sur le toit, je suis en train de m'amuser avec la toile. Par contre, il n'y a pas de munitions. Oh putain, c'est moi ça? Oh, je te vois. J'ai vu ton drone, monte. Quand je clique gauche, mon vieux. Vas-y. Ah oui, mais c'est. Voilà, si je veux, je peux poser des blocs et tout. Regardez. On peut poser tout avec le drone. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut le poser en l'air et tout. Ouais, je te vois là. Je te vois, coucou. C'est toi? Ouais, c'est moi, je te suis. Je suis mitraillant, okay, d'accord. Tu me vois? Ouais, je te suis là, je te suis avec mon viseur. Excellent. Regarde, par contre on peut pas aller trop loin parce qu'au bout d'un moment, voilà, on perd la connexion. Donc tu vois. C'est le drone Phantom 4. Ouais, regarde-le ce cochon. Oui, mais y'a pas de munitions, je te l'aurais fait péter ton truc là. Et là, cette espèce de cochon. Ouh, bah me v'là bien équipé mon vieux. Sniper et fusée à pompe. Ça c'est bon ça. Nickel. Là on se met bien là, tu vois. Là, ça commence à me plaire. Bon, Julien, on se prépare pour une expédition pour aller ramasser des ressources, histoire de construire un beau vaisseau. Attends, je fais ta torche et j'ai pas fait toutes les armes encore. Hein. Là, j'essaie de mettre les petites, ça marche pas. Là, il faut mettre les grosses bouteilles. Donc, moi, j'en ai des grosses bouteilles. Ouais, t'inquiète. En fait, ça, si tu veux, ça sert à aller respirer ici. Regarde. Ça, t'es où? Là, ce qu'on vient de mettre là-bas. Ouais. Ça sert à aller respirer ici, normalement. Tu fais E. Et tu vois, hop, tu récupères de l'oxygène. Tiens, Julien. Ouais. Viens voir. Je vais voir. Où tu es? Je dors. Ok, très bien. Je t'attends sur le bord de la plage. Entendu? Le bord de la plage? Ouais. Je suis pas très frais là-bas? Non, ça sera un peu risqué, mais. Salut. Regarde. Je regarde. Regarde, Julien. Je regarde. Tu vois la lune là-bas? Oui, je la vois. Ouais, je la vois, elle est très belle. Un jour, je t'emmènerai sur la lune, Julien. Oh, c'est tellement romantique. Oh, on ira manger, on ira voir les petits. Un jour, je t'emmènerai sur la lune, Julien. Oh, hein? Tu me donneras la lune. Je te décrocherai la lune pour toi, Julien. Oh, on ira dessus. Regarde, on peut voir tous les petits détails et tout. Hein? Que hein? Je t'aime, Jonathan. Et va donc crafter d'abord, espèce de cochon, là. Faut qu'on aille faire un vaisseau pour aller sur la lune, là. On va pas y aller en jetpack, mon vieux. Ouah, c'est faisable, non? Ouais, ça va être chaud, mais bon. Ouais. Un jour, on ira, Julien. Je t'y emmènerai. Un jour. Ouais. Ouais, que je voudrais bien y aller, moi. Oh, il y a un bidon d'essence. Je vais remplir ma tronçonneuse. Et là, tu te dis, il y a peut-être des joueurs dessus, là. Hein. Ouais. Bah ouais, c'est peut-être carrément possible. Hein. Bah ouais, c'est ça. Ils sont peut-être en train de nous attendre. Ouais, ouais. Ils disent, on les voit. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme vaisseau? Jetons juste un petit coup d'œil. Ah, ouais, sur F2... C'est vrai qu'on pourrait construire des vaisseaux comme ça, si on voulait. Alors je te propose, soit on commence avec un truc qui vole sur place, sur Terre, qui survole la Terre pour aller plus vite, pour aller chercher les ressources. Ouais. Ou on soit un gros. on s'attaque, mais un énorme. Écoute, moi je pense qu'au début, vaut mieux s'attaquer aux petits. Aux petits, un petit qui vole. Ou un petit qui survole la Terre là. Ben, okay. Un petit qui survole la Terre. Ok, alors on a deux choix. On a le rouge. Bon, on part en excursion, Julien. Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. On va essayer d'aller chercher de la ressource. De bon matin, comme ça. Ouais, allez, on va chercher les champignons. Ouais, je vais voir si l'eau, elle est fraîche avant de partir. Vas-y, un petit bain. Si elle est bonne, un petit bain. Petit bain matinal. Mettre juste le masque pour l'oxygène. Impeccable, nickel. Et on peut voir dans l'eau. Vas-y, il y a quoi dans l'eau? Ouais, si tu mets le masque, tu peux aller dans l'eau. Hein. Faut juste mettre le masque et hop, c'est bon. Ok. Y'a rien dans l'eau, non? J'aurais pensé qu'il y aurait des ressources. Y'a pas grand chose, je te vois là-bas. Genre des plantes avec des ressources, non? Attends, si je vends pas. Pas spécialement grand chose.
Ah, on va plus vite une fois que t'es au sol. Ouais, non, y'a rien. Y'a rien. Regarde. Salut. Boop. Salut, boop. Julio. Boop. Ah ouais, les bruits de sonore. Et je te fais la baleine. Rien, au vieux. Ah, elle était bizarre, le bruit de ta baleine, là. C'est une baleine malade, ça. C'est une baleine enrhumée. Oh, fais gaffe, il y a un scorpion. Oh, bon, on chasse, hein. Ouais, je le chasse. Test. Oh la vache. Prends le pompe. Je suis level 10. Il est mort. Il a fait mal. J'ai pris. Allez, c'est parti, Julio. On a de la marche à faire. De la colline, Julio. Attends, je chasse les dinosaures. Putain, il y a une base là-bas. Ouais, bah j'y vais là, je suis en route. Hein? Je l'ai vu, la base, je suis en route, je suis en bas. T'es où là? En bas, regarde. J'ai avancé moi. Ah ouais, je te vois. Ouh! Oh! T'es tombé? Tu me vois? Là, je te vois, ouais, et quand t'avances, tu tombes quelque part. Il y a un énorme trou. Oh! Ah ouais, non, mais c'est un bug, hein, parce que moi, non, je vois pas de trou. C'est pas le même. J'arrive. Creusé, c'est un gars qui a creusé. Oh, ah ouais. Oh là là. Oh, il a pas fait semblant. Mais il y en a un ici aussi, mais ouais, t'as vu, je l'ai vu tout à l'heure. Il y en a un ici aussi, un trou. Attends, j'arrive, bouge pas, parce que ouais. Moi, j'ai l'impression que ça fait un bug d'où je te vois. Il y a juste une lumière. Oh, oh putain, j'ai eu peur d'une plante quand j'en ai eu des frissons. Oh, le cochon. Ah, c'est merde. Ça, le trou. Ouais, il y en a un autre. T'as vu? Celui-là. Vas-y, on y va. Moi, je suis y allé. Mais y'a rien là-dedans. Mais c'est sympa de passer bien. On se balade. On admire le travail de. Ah! Celui-là. Putain, il a mis une. Ouais, une lampe. Allez, est-ce qu'on peut la prendre? Et hop, il a pas fait semblant. Ah ouais, il a fait des tunnels et tout. Je sais même pas si c'est lui. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je sais même pas si c'est lui qui l'a fait ou s'il a pris une machine. Parce que tu sais, y a des véhicules comme ça. Hein. Ouais. Tu te souviens? Putain, mon vieux, il nous en faut un comme ça. Ah ouais, mais ça sert quoi? Il nous faut un vaisseau comme ça, mon vieux. Ah bah voilà, on est arrivé à la boutique. On va voir qu'est-ce qu'on va acheter. Faut qu'on en construise un. Le Hakon. Faut se donner l'idée, mais j'ai cru. C'est pas des coffres, ça là, les trucs bleus? Je sais pas, RCS. En tout cas, on peut se donner l'idée. Attends, oula. Hé, hey, Julien. Ouais. T'as un salami, toi? Non, j'ai rien. J'ai du salami, hein, si t'as faim. Oh bah là pour l'instant ça va. Ah ma bouffe elle est à moitié. Ouais moi ouais ça va. Putain regarde il a fait un potager. Ouais il y a des coffres, il y a plein de coffres. C'est con on n'a pas l'outil de destruction là. On aurait pu piquer la base peut-être. Ouais mais je sais pas si non ça serait trop facile je dirais. Putain ouais mon vieux. Eh il doit faire des putains de voyages dans l'espace avec ça. Ouais c'est Target SG1 le gars. Là j'ai trouvé l'entrée mais bon. Il doit y aller tous les jours sur la lune avec ça, c'est obligé. Ouais mais en tout cas il est pas connecté. Putain il y a un ascenseur et tout. Pour monter dans le vaisseau. Putain, ouais, on peut pas monter comme ça. Eh vas-y Julien, moi je suis pressé de construire un vaisseau comme ça là. Oh putain, ouais, pour voyager. Pour aller sur la lune et tout là. Oh putain, ou même trouver d'autres vaisseaux aliens, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Mais viens là, c'est pas en admirant le travail des autres qu'on va avancer nous, hein. Nous on en est au stade où faut ramasser des ressources. Faut arrêter de baver devant son vaisseau là. On l'aura jamais, cochon, on l'aura jamais. Attends, il a dû jouer 3 ans pour construire ça, mon vieux. Oh. Faut au moins 4 ans de jeu, mon vieux, pour construire un machin comme ça, non? Il y a une base là-bas, putain, il y a tout dehors là-bas. Ouais, cette base. Il y a tout dehors là-bas. Il y a un truc là, on dirait que c'est bégué ici. Ah non, c'est une base dans l'eau. Eh ouais, tu peux faire des bases dans l'eau. Hein. Attends, écoute, j'arrive, je viens vers toi. J'arrive. Oh. Je crois que la base, elle est ouverte. Non, 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 oui, non, oui. Merde, elle est putain, ouverte. J'ai perdu. Elle est ouverte. Arrête. T'es sérieux? Elle est ouverte. Non, laquelle? La grosse là, avec le gros vaisseau bleu. Je regarde s'il y a des coffres. Je vois rien pour l'instant. Putain, j'arrive. Je vois les jardins.
Oh, je cultive tous ces jardins. Oh, ils sont prêts, ces plantes. Vas-y, je les non, prends. Non, j'arrive. Oh putain, il y a un ascenseur. J'ai tout pris. Oh, il a des bouteilles de gaz. Oh, je prends tout. Où tu vois des bouteilles de gaz? Là-dedans, il a... Attends. 100, 200... Oh, 250 putain, bouteilles de gaz bleu et 250 bouteilles de gaz verte. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais vas-y, j'ai vas-y, vas-y, prends, vas-y. Parce que... Oula, ça lag. Attends. Tu les reçois, les freezes? Ouais, non, mais... Il y a des freezes par moment, mais laisse tomber. De toute façon, il y en a un peu tout le temps. Ouais. C'est un peu chiant par moment, mais bon. Les on fait avec, c'est pas encore trop dérangeant, je trouve. Il y a les frigos, on peut pas les ouvrir. Il y a des ascenseurs. Julien, regarde. Ouais, je regarde dans son... Je prends l'ascenseur, là. Ouais. Ouais. Ah, ouais, ouais. Oh ! Ouh ! Ah ! Oh, putain, mon vieux. Par contre, je commence à en avoir de plus en plus souvent des frises. Qu'est-ce que c'est ? Ouais. Ouais, 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 ouais. C'est vrai que c'est assez relou, quoi. Oh, regarde, Julien, je suis tout en haut. C'est la belle vue. Ouais, je suis avec toi. Si tu croises de la fibre et de l'aloe vera, ramasse, hein. Ouais, ouais, je ramasse. On va pouvoir se faire des bandages avec ça. Moi, perso, j'en ai deux sur moi. Bandage ? Ouais. Ouais, moi j'en ai trois. Cochon. Ouais, cochon. Ouais, on se dit pas qu'on a des bandages. Ouais, c'est rare. On se l'était pas dit, ça. Ouais. Tu me l'as pas dit quand t'es parti que t'avais deux bandages sur toi. Hein ? Ouais. Oh, j'ai trouvé un ascenseur. Ah, bah vas-y. Ouais, j'ai trouvé un ascenseur creusé, mon vieux, dans le sol. Oh, vas-y, peut-être c'est une base secrète. Ouais, j'ai trouvé une mini base secrète. Mais par contre, on peut rien faire, je peux pas fouiller. Et regarde si tu vois pas des plantations que tu peux prendre et tout. Oh, ça. Ce cochon, comment qu'il s'est planqué ? C'est beau ? Oui, il a bien fait ça. C'est beau, pas spécialement beau, mais par contre, c'est planqué. Tu vois, pour tomber dessus, fallait vraiment, tu vois. Ah, le cochon, fallait se balader, hein. Il se cache dans les montagnes, le salaud. Ouais, ouais. C'est quoi ce... cette ombre ? Mais c'est pas de l'ombre, mon vieux, c'est que la nuit, elle commence à tomber. Ah ouais, c'est donc comme ça. Hein ? Eh ! Moi, j'irais bien sur la planète derrière, là, Julien, là. On va se balader un peu par là, histoire d'aller voir si on peut pas trouver des ressources. Ouh, putain, je vais manger un petit salami, là. Miam, miam. Salaud. Eh, moi, j'ai rien, faut que je mange. T'inquiète, je vais chasser pour toi, Julien. J'ai même pas un millimètre. Dès que tu vois un dinosaure, un truc qui serait susceptible de donner de la viande, dis-le-moi. Ok. Bon, fais gaffe, il y a un trou ici. Après, je peux toujours le chasser, mais bon. Oh, il y a de la ressource. Il y a du prométhium ici. Je m'arrête là. Vas-y, vas-y, moi je vois que dalle. Viens, je vais chasser pour toi, Julien. J'utilise mes. Oh putain, ça y est. Je le ressens. Tu vois flou ? Ouais. Merde. Merde ! Julien ! Non ! T'es où ? Oh ! Je t'ai entendu faire. Ouais, j'ai pris une l'espèce de préservatif là qui. Une ration ? Ouais, putain, voilà. Cochon, bah t'as plus faim du tout avec ça. Eh, hey, tu m'avais pas dit que t'avais pris des rations. Bah j'en ai trois. Tu me l'as caché. Eh, hey, tu m'as pas dit que tu les avais pris. Bah, moi je les garde tout en son bas, jamais je le mettrai dans le coffre, imagine que tu me les prennes. Ah, ce cochon là, tu me dis j'ai faim, j'ai faim, bah tu prends une ration. Bah ouais, mais je veux éviter de les gaspiller, cochon. Regarde, Julien. Il y a un espèce, il y a l'arbre là. Ah bah attends. J'utilise mes fusils à pompe là, mon vieux. J'arrive. 3 balles de fusil à pompe, il est mort. C'est calme, hein. Attends. Chut. Je rêve où ils ont mis des bruits de mouettes. T'as pas entendu une mouette, toi ? Non, j'entends une petite musique de fond. Putain, mais j'ai cru entendre des mouettes. Ah, tu fais vachement bien la mouette malade. Viens cochon, on va vers le soleil levant. On va plus là où ça fait jour, on traverse, ok? Ouais, allez. Vas-y, let's go. Ah, c'est joli par ici, t'es. Ouais, c'est joli par ici, ouais. C'est bien fichu, hein. Oh là, non, c'est des arbres. Oh là, toutes les arbres. Oh, on se croirait dans la petite maison dans la prairie, mon vieux. Ah, je veux pas, Carole. Ah, Caroline. À hauteur de faire le bûcheron. Oh là-bas, c'est une tour là-bas. Elle est belle, hein. Ouais, ouais. Oh, bah attends, c'est. Une épave. Hein ? C'est une épave de vaisseau. Il y a une épave de vaisseau ? Ouais, c'est une épave de vaisseau. Ça là ? Ouais, c'est vert. Ah, moi, c'est ouais, yes. Bah, vas-y, on va voir. Direct.